Foreign Development Program funded by USDA in Francophone Africa, and this includes Senegal, Cote d'Ivoire, and Burkina Faso. As a WISH consultant, he is also responsible for creating soy demand and identifying supply chain partners for US value-added soy products, and with the goal, of course, of increasing the US soy sales and consumption in these countries. Thank you, Mamadou. Sur les pays que je couvre moi, c'est-à-dire le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Burkina. Ok. C'est pas grave, c'est ok. Donc WISH, pour aller vite, est un programme qui a été créé par les producteurs de soja américains et l'American Soybean Association, qui est une association américaine du soja. Donc, on est partout dans le monde, mais je vais me focaliser, comme j'ai dit tout à l'heure, dans les pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina. Mais vous verrez bien qu'il y a aussi nos supply chain des autres pays qui sont dans la salle, notamment Nigeria, Ghana, Kenya, Ouganda, qui sont présents ici. Donc c'est quoi notre objectif? L'objectif de WISH, en fait, la mission, c'est vraiment de créer des, si vous voulez, des chaînes de valeur. Mais quand on parle de cela, c'est-à-dire c'est de créer des liens commerciaux entre le soja américain et les entreprises locales. En quoi faisons? L'objectif est d'aller dans ces entreprises-là et de voir comment les produits à base de soja dans lesquels WISH intervient, on essaie de voir comment ces entreprises-là pourraient utiliser ces produits. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On envoie des experts qui viennent offrir une assistance technique pour montrer à ces entreprises-là que ce produit-là peut rentrer dans leur ligne de production. Et après, maintenant, on établit une relation commerciale entre ces entreprises et les entreprises américaines. Je veux juste préciser que WISH n'est pas une entreprise qui produit ou qui fabrique du soja. Donc, notre objectif, c'est de promouvoir la consommation de soja, l'utilisation de soja dans les lignes de production de ces entreprises-là. Je me suis permis de parler un peu des produits à base de soja que nous essayons de promouvoir, c'est-à-dire la graine de soja, la farine de soja déshuilée, le TVP, si vous voulez bien, qu'on appelle la viande végétale, et également l'isolat de soja. On va voir ça beaucoup plus tard. Ici, nous avons la composition de la graine de soja. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a des experts qui sont beaucoup plus aptes à parler de cela. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que la graine en tant que telle, qui n'est pas encore décortiquée, elle contient 36% de protéines, ce qui est énorme. Et la farine de soja, donc la farine de soja, elle a à peu près 50% de protéines. Et on l'utilise généralement dans la panification, ou bien dans les mélanges de céréales. Il y a des entreprises qui sont ici présentes où on a fait des tests pour essayer de voir comment la farine de soja pourrait rentrer dans leur production de céréales, et d'autres boulangers où on a fait des tests partout pour essayer d'avoir un pain de qualité. Et le TVP, c'est-à-dire le TSP, ce que vous voyez là, ce sont des morceaux de viande. Une fois hydratées, 10-15 minutes hydratées, elles deviennent des morceaux de viande. La texture vous donne de la viande. Et dans les mets locaux, où l'on utilise la viande animale, vous pouvez utiliser le soja qui va vous donner la même texture. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de bien assaisonner, parce que le soja a un goût neutre. Il faut bien assaisonner le soja pour que ça donne effectivement le goût de la viande. Donc là aussi, on a fait beaucoup de tests avec les entreprises locales, ou essayer même de toucher la ménagère qui va au marché pour essayer d'utiliser le soja dans son repas quotidien. Et l'isola, comme je l'ai dit tantôt, l'isola contient 90% de protéines. Ça requiert une certaine transformation pour obtenir cette teneur en protéines. Et ça rentre dans la fabrication de saucissons, de jambon, entre autres, mais également pour les boissons protéinées. Donc, puisque l'isola contient 90% de protéines, donc on suppose bien que ça a une forte teneur. Donc voilà quelques tests que nous avions fait dans quelques pays. Donc WISH dans la chaîne de valeur. Là aussi, comme j'ai dit tantôt, notre objectif n'est pas vraiment de vendre, mais c'est d'essayer de voir avec ces entreprises-là, d'essayer de faire des évaluations, des tests d'acceptabilité. On en a fait en Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a 3-4 ans.
de voir que le soja que nous essayons de promouvoir aussi, est-ce qu'il est acceptable? Est-ce qu'il est acceptable? Est-ce qu'il est disponible? Mais je pense que la chose la plus importante, c'est de voir est-ce que ce produit que nous essayons de promouvoir est accepté par les consommateurs. Une fois accepté maintenant, c'est qu'il faut voir est-ce que l'entreprise qui va acheter ce soja-là, elle y trouve un avantage économique. Sinon, à quoi bon promouvoir ce produit-là? Voilà, donc, comme j'ai dit tantôt, je vais focaliser cette présentation sur le Sénégal. Et ici, il y a quelques tests que nous avions faits avec le TVP, la farine de soja et l'isola dans quelques entreprises. Et voilà. Maintenant, l'autre chose, c'est bien d'essayer de promouvoir, mais comme Wish n'est pas tout le temps sur place, on essaie d'établir aussi une agence pour gérer la campagne d'information, c'est-à-dire pour essayer de vulgariser l'information sur le soja, parce que beaucoup de monde ne connaissent pas ce que c'est que l'isola, ce que c'est que la viande végétale de soja, ce que c'est que la farine de soja déshuilée. Donc on a une agence, Guindo & Co, nous travaillons avec Guindo & Co depuis quelques années, et Guindo, certains d'entre vous ont même peut-être goûté à des cuisines de rue que Guindo a organisées ou à des points de vente par-ci et par-là. Voilà. Et en Côte d'Ivoire, là aussi, on a fait des tests, comme j'ai dit tantôt, avec la direction des cantines scolaires. Et c'était, voilà, ça. Là, il s'agit par exemple d'un texte d'acceptabilité à l'université de Cocody, Madame Aka. Et ce jour-là, c'était vraiment agréable parce que les enfants n'ont laissé aucun morceau de TVP qu'on avait préparé. Donc, il y a aussi des réseaux de boulangerie en Côte d'Ivoire, aussi des usines de transformation de viande où on a effectué des tests. Là, c'est avec la directrice, madame le directeur de la cantine scolaire. C'était vraiment des tests que nous avions organisés à l'école Yarani. Madame Aka, vous étiez même là-bas pour diriger les tests. Donc ça, il y a le directeur régional de Wish en Afrique qui est aussi présent. Et nous avions aussi organisé une formation avec la CIVAC, la Société ivoirienne d'abattage et de charcuterie. Et l'objectif, c'était de former à peu près 30 élèves dans la transformation de viande. Donc, CIVAC est aussi un incubateur pour de futures personnes qui veulent se lancer dans la transformation de viande. Et au Burkina, nous avons fait des tests avec certaines boulangeries et aussi certaines entreprises de transformation de viande. Et on a organisé aussi une conférence dans le domaine de l'agriculture. Ça, c'est un autre domaine. Et autre chose que Wish organise, c'est bien de venir en Afrique et d'essayer de promouvoir le soja. Mais souvent, nous organisons des voyages ou des séminaires de formation aux États-Unis. Et parmi ces séminaires, il y a le NCI. C'est une formation pour montrer les boulangers africains de certaines techniques de panification. Et aussi, on organise aussi un séminaire dans le domaine de la transformation de viande au BYU, Brigham Young, à Idaho, et aussi d'autres symposiums à Atlanta, entre autres. Donc aussi, quand on amène ces équipes-là aux États-Unis, on leur permet aussi d'aller visiter des champs de soja, mais également de maïs et de blé, pour qu'ils sachent un peu comment tous ces produits-là, à partir du champ, deviennent de la viande végétale. C'est important de leur montrer qu'il y a une chaîne. Bon, voilà. Et la question qui revient tout le temps, c'est comment on fait pour acheter votre produit? Pour nous faciliter la tâche, dans chaque pays, on essaie d'établir un supply chain. Et le supply chain, c'est celui qui va voir la demande qui a été déjà créée par Wish. Et on établit, on met là en contact ce supply chain qui est intéressé pour vulgariser ou pour vendre le produit. On met cette personne-là en rapport avec les fournisseurs américains et à partir de là, cette personne peut acheter et revendre. Et ici, nous avons notre supply chain au Sénégal qui est le distributeur local. Il s'appelle Sensoy. En Côte d'Ivoire, c'est Alimentation Ivoire avec Charade qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Et Orange Bleu et Faso Ecofol au Burkina. Et les autres supply chains sont dans la salle. Nous avons Charles Nzubuga, il est dans la salle. Et nous avons également Chimézé et James qui sont également dans la salle. Nous avions Samuel du Ghana
et AM Sidi qui est là, M. Faisal. Donc, c'est tout ce que j'avais. Merci beaucoup.